j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Ah franchement oui, c'était un bon film, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Bah le film était super, super drôle et puis on attend la suite encore une fois. Bah le film était super et parfait. Ouais, est-ce qu'il y a une scène où tu as le La scène où il s'est pris toutes les flèches dans le dos. Ouais. Celle-là elle était vraiment marrante. Super, on s'est régalé franchement. Très bien, merci beaucoup. Ouais, c'était ouais. Super, très très bon moment. Toi, moi j'ai tout aimé, Eh ben, c'était bien, c'était trop bien, on s'est bien marré dans la continuité du reste. Il a déchiré quoi. C'est voilà. Okay. Il y a rien à dire vraiment. Qui continue comme ça avec ses délires, vraiment on a beaucoup aimé. Bon, merci. Hâte du prochain. Ouais, il y aura peut-être oui, super. Mais forcément qu'il y a la suite et honnêtement on a hâte. Ouais, continue. Merci. A rien à dire. Je suis émue. Ah bon. Voilà. On le kiffe, Tarek. Ah, moi je l'adore. Ah, franchement, ouais. Je l'aime trop. Voilà. Bonjour, Nîmes. C'est vrai que c'est une sorte de parodie de Mission Impossible plutôt que de James Bond, même s'il y a du James Bond à un moment donné. Et l'écriture a pris un an et demi. Ça a été, c'est pas si long en vrai, un an et demi, mais voilà, je pense qu'il faut prendre le temps d'écrire un scénario qui te plaise et dont tu es sûr pour pouvoir partir en tournage, sinon c'est un peu bancal. Et c'est vrai que c'était très compliqué en termes d'autorisation pour pouvoir tourner dans ces pays-là déjà, et notamment les scènes de cascade, parce qu'il y a pas mal de cascades, mais du coup il faut des autorisations spécifiques parce que c'était des cascades spectaculaires, par moments un peu risquées, et comme je faisais moi-même toutes mes cascades, voilà, il fallait des autorisations spécifiques. Mais que ça soit à Abu Dhabi ou au Mexique, j'ai rencontré des équipes formidables qui m'ont aidé et même les gouvernements m'ont aidé, donc je suis chanceux. No hablo francés. Ah, el patron, pásame el patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Le film, il est très spectaculaire, vous allez voir, vous allez voyager, etc. Parce qu'on a vraiment tourné à Paris, à Abu Dhabi, Mexique. Donc ça a été toute une logistique, toute une organisation. En tant que réalisateur, ça a été mon film le plus compliqué, mais en même temps, ça a été le film le plus kiffant que j'ai fait en tant que réalisateur. Voilà, parce qu'on s'est vraiment battu pour avoir les autorisations de tournage dans ces pays-là, pour pouvoir avoir les autorisations pour pouvoir faire les séquences de cascades, notamment quand ils ont su que c'était le réalisateur et le comédien principal qui faisait lui-même les cascades. Je vous avoue, ils étaient pas chauds, ils étaient un peu en flip. Mais voilà, on s'est battu pour pouvoir faire tout ça et on est très content parce qu'on est revenu avec de très belles images. Et donc, le budget en vrai de ce film, quand tu veux avoir les images, le film, normalement, il aurait dû coûter 2 fois ce qu'il a coûté. Mais on a été tous très malins pour pouvoir le produire de manière à ce qu'il ne coûte pas non plus trop cher. Mais en moyenne, un film en France, c'est 7 millions d'euros. Ça, c'est un peu plus cher. Mais pour te donner un ordre d'idée, aux États-Unis, par exemple, un Mission Impossible, c'est 250 millions. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Voilà, c'est pour ça que quand ils ont mis c'est le prochain film de c'est le prochain Mission Impossible, j'étais content. C'est des copains, ouais, ce sont des bon, José à la base c'est pas un copain mais c'est devenu un copain. Vanessa pareil, voilà, on se connaît pas voilà, Julien et Philippe, on se connaît depuis très longtemps, on est copains de base. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un film, on a la chance d'avoir de très grands comédiens et comédiennes qui viennent avec nous sur le projet et on s'estime vraiment très chanceux et c'est fou quand même de pouvoir donner la réplique à une personne comme José Garcia, comme Marianne Chazelle, Chantal Latsou, sont des gens qui nous ont fait rêver voilà, et qui continuent de nous faire rêver. Et donc voilà, on est très chanceux. Si vous voulez voyager, voir du spectaculaire et surtout rigoler, allez voir 3 jours max. Vas-y, fonds. Attention, ma mère. Ils ont tué mon Francis. Mais merde, il est pas mort le vieux.